Shook it up. Salut tout le monde, troisième vidéo de la journée. Je prends un petit peu d'avance parce que justement je fais cette vidéo informative pour vous dire que j'ai pas mal de boulot en ce moment et que je ne sais pas faire toutes les vidéos que j'ai envie de faire. Je n'ai pas le temps. Donc voilà. Cette vidéo sera assez courte, enfin, je vais vous prévenir de tout ce qui va se passer sur ma chaîne dans les semaines à venir ou dans les jours à venir. Donc les vidéos à venir, j'ai beaucoup de trucs à venir. Trop drôle. Vidéo à venir, un autre tuto maquillage, parce que je pense que j'y prends goût maintenant. Un tuto maquillage dans les tons rose bleu. Cho83 a mis sur son blog qu'elle trouvait ses couleurs, donc le rose fille et le bleu bébé, des couleurs complètement improbables pour aller ensemble. C'est la étape. Je me suis mis comme défi de faire un maquillage dans les tons rose-bleu pour peut-être lui prouver que ça ne... que c'est pas vraiment quelque chose d'improbable et que ça pourrait faire une jolie combinaison. Donc je vais tenter de faire ça. Vidéo aussi qui va bientôt arriver, ce sera le troisième défi avec Panacles Power, Marie-Madeleine. Le premier défi, on avait fait Batman. Deuxième défi, c'était le thème de la vieillesse. Je ne sais pas si vous avez vu, elle a fait sa vidéo sur la vieillesse. C'est pas du tout le même style que moi. Bon, moi, je l'ai fait dans le style très comique. Et ça m'a touchée. C'est une vidéo très touchante. J'espère que vous l'avez vue. Si vous n'avez pas vu, le lien est ici. Allez voir, c'est vraiment touchant. Et moi, j'ai vraiment aimé. Donc oui, troisième défi avec Marie-Madeleine, c'est sur le thème de vampire glam. On a choisi ça. Donc voilà, un maquillage d'un vampire glamour, on va essayer de faire ça. Qu'est-ce que j'ai encore comme vidéo qui ne devrait pas tarder à venir? Oui, j'ai fait quelques petits achats sur internet, notamment des t-shirts. J'attends avec impatience de les avoir. C'est la Marie Lala qui m'avait donné le nom du site où elle achète ses t-shirts, que je trouve toujours sublimes, très originaux. Donc elle m'avait donné le nom du site où elle les achète. J'ai fait une commande, j'attends avec impatience cette commande. Et dès que je l'ai, je vous présente tous les t-shirts que j'ai pris. À venir, le plus important, je pense qu'il y a pas mal de monde qui l'attend. Alors, je vais attendre, je pense, la rentrée pour lancer le concours. Voilà, je l'ai dit. Donc le concours est bien parti. Enfin, j'ai l'idée, je l'ai. Je la tiens. Et je ne la lâche pas. Les lots commencent à s'entasser. Enfin, s'entasser, c'est un grand mot. J'ai une petite boîte, enfin une petite boîte, une boîte en carton où je mets tous les produits que j'achète en double, que j'achète pour moi et que j'achète en double, que je trouve assez chouette, des petites trouvailles que j'aime bien. Donc je les mets là à chaque fois que je les ai. Donc maintenant la boîte commence à se remplir tout doucement. Donc le concours va bientôt arriver. Je vais attendre la rentrée, comme j'ai dit, que tout le monde soit revenu de vacances pour le lancer. Et je pense qu'il durera plus ou moins un mois. Donc ce sera une durée assez... voilà, je trouve que c'est une bonne durée. Par rapport à ça, j'ai décidé de ne plus participer au concours français. Pourquoi? Parce que je vois qu'il y a pas mal de personnes que ça dérange apparemment. Enfin, que ça dérange. J'ai quelques commentaires qui me disent, enfin ouais voilà, c'est toujours la même qui gagne. Donc voilà. Donc les concours français, à moins que vraiment ce soit un thème qui est fait pour moi, enfin, j'exagère là, mais
Non, j'ai plus trop envie de participer aux concours français, en tout cas. Donc les concours internationaux, je vais, je pense, continuer. Quoique en ce moment, j'ai pas vraiment le temps de faire des concours. J'ai beaucoup de boulot, comme j'ai dit. Donc ne vous étonnez pas si je ne participe pas au concours ou à un concours que vous avez lancé. C'est parce que, voilà, je laisse... je vais pas dire que je laisse la chance aux autres, ça serait très... très prétentieux de dire ça, mais ouais, je vais m'effacer un petit peu des concours pour l'instant, en tout cas les concours français. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous raconter aujourd'hui. Ouais. Là, le soleil tape, je commence à fondre, hein, je ne sais pas si ça se voit, je fonds. Donc avant de ressembler à une grosse flaque, je vais couper et je vous dis à bientôt. Ciao.